Bonjour tout le monde. Alors, on est dimanche 8 septembre. Je suis aujourd'hui en vacances pour 2 semaines. Donc ça, je suis trop contente. On ne savait pas trop ce qu'on allait faire et finalement, ben, changement de programme. On s'en va dans la maison de ma tata dans le sud. Donc voilà, on va passer des vacances au soleil. Enfin, j'espère qu'il fera beau. Et voilà. Donc je vous présente aujourd'hui ce que j'ai fait pour Stéphanie. Donc Stéphanie, c'est Stéphanie BND sur Instagram. Donc elle m'avait envoyé des jolies créations pour mon concours, pour mon anniversaire aussi. Et donc pour mon anniversaire, c'était avec la collection On My Way, je crois. De. Non, c'est pas On My Way. Je ne sais plus. De Artemio. Mais comme moi j'aime pas trop, enfin c'est pas que j'aime pas trop, mais c'est que je n'ai pas cette collection. Et que ben, j'avais des papiers qui suivaient un petit peu et je me suis dit, si elle me l'a envoyé, c'est qu'elle aime ces papiers. Donc j'ai fait un mix avec ce que j'avais de chez Action ou d'autres collections. Et j'en remets parce qu'il y a un truc qui s'est décollé, j'aime pas ça. Du coup, j'ai fait un petit micmac avec les papiers que j'avais déjà pour assortir à la collection. Et avec ce qu'elle m'avait envoyé, donc j'avais envie de faire un petit quelque chose pour elle. Et j'avais pris un bloc de chez Action, celui que j'aime bien là, le dernier avec du bleu, du vert et du jaune là, les pieds de pâquerette. Donc j'en ai profité pour faire des petites choses pour elle en surprise. Et je vais en profiter de mes vacances. Stéphanie, normalement, elle n'est pas très loin. Je suis en train de frotter, hein, ne vous embêtez pas pour le bruit. Stéphanie, elle n'est pas très très loin de là où je m'en vais en vacances. Et du coup, je me suis dit, ben, tant qu'à faire, autant essayer de se voir et que je remette en main propre le petit envoi. Donc, je vais vous présenter ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait un petit tote bag comme ça, avec des petites pochettes que j'ai remplies. Donc, ça se présente comme ça, un petit peu des couleurs dans du vert, du rose, du jaune. C'est très doux. Et je pense que ça devrait plutôt lui plaire. Alors, hop, on va baisser. Donc, je vais vous présenter ce que j'ai fait. Donc, pour commencer, j'ai fait une carte. Donc, la carte, elle est comme ceci. C'est la carte, j'avais déjà fait le tuto. Donc, je n'ai rien écrit volontairement. Je mettrai un petit mot après, ou je ne sais pas. Ça, c'est un embellissement que m'avait envoyé Eve. Et j'ai réutilisé ces embellissements qu'elle m'avait envoyés dans la pochette qu'elle m'avait fait parce que moi je m'en servais pas et c'est bête de les laisser dans une pochette. Donc je les ai ressortis et j'ai fait cette carte pour Stéphanie. Voilà, donc j'ai un peu foiré dans les mesures parce que normalement elle se met à plat. Mais comme j'ai mal calculé mon coût, elle n'est pas plate. Mais c'est pas grave. De toute façon, l'objectif c'est de la mettre debout. Donc voilà ce que ça donne. Ça dans le fond, c'est des papiers de. Ah, je perds mes mots. Hein. The Peaceful Earth de John Hadfield. Ça, c'est du Artemio, ça aussi. Et le papier jaune, c'est du papier Action. Mais je trouve que l'ensemble fait assez coordonné, donc j'aime bien. Voilà. Ensuite, j'ai fait une Memory Dex. Donc le tuto que je vous avais déjà fait. Donc j'ai mis des feuillages. J'ai fait une superposition de nœuds avec un peu de fil en dessous. Mis des petites fleurs. Une petite fleur en résine. Et un petit La vie est belle. Ça, c'est les mots qui sont dans les blocs de chez Action. Voilà. Ensuite, j'ai fait quoi? Ah oui, je vais faire un petit. Ça, c'est pareil, c'est Eve qui m'avait envoyé les petits topper bags, mais bon, moi, je m'en sers pas. Donc, j'ai demandé à Eve, elle m'a dit que ça ne la dérangeait pas que je renvoie à quelqu'un. Donc, sinon, je ne me serais pas permis de le faire. Mais comme moi, j'en avais pas l'utilité, donc j'ai fait un embellissement sur le premier pour faire le topper bag. Et dedans, dans le petit sachet, j'ai mis les autres toppers. Voilà, donc des petites rosaces, un petit papillon, tout simple. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, j'ai fait une petite pochette comme ça. Avec. Donc là, j'ai. C'est une petite pochette tout simple. C'est une idée que j'avais eue de Sylvia, avec qui j'avais fait un échange une fois sur Instagram. Donc j'ai fait. Sur la petite pince, j'ai fait un petit bijou dans les mêmes tons que la collection. Ici, une toute petite déco, toute simple. Et à l'intérieur, il y a un sachet avec plein de nœuds. Des nœuds plats. Donc comme ça, elle aura des nœuds qu'elle pourra utiliser. Ensuite, bah, j'ai fait un petit Polaroid shaker, comme d'hab, j'aime bien les faire. Donc voilà, hein, j'ai mis du fil doré, j'ai superposé mes petits papiers, mon petit vélum
Et puis, ça check. Donc voilà, moi j'aime bien. Après, j'ai fait une boîte. Donc comme ça. Avec un embellissement d'Ève, encore une fois. Donc là, j'ai mis un peu maté partout. Et dedans, je lui ai fait des fleurs, des rosaces. Enfin, un petit méli-mélo. De petits embellissements qu'elle pourra... Des petites fleurs en 3D comme ça. Un petit méli-mélo qu'elle pourra réutiliser par la suite. Voilà. Mine de rien, on en met pas mal hein, dans un petit panier garni comme ça. Ensuite, j'avais trouvé une crème pour les mains. À l'aloe vera, qui est un tout petit format, mais... Je trouvais en plus que ça allait avec la collection. Et bah, ça sert toujours à une crème pour les mains. Ensuite, là, j'ai fait juste une petite étiquette comme ça. Parce que je lui ai fait des découpes de montgolfière pour son petit-fils. Donc, elle pourra la monter comme ça, la montgolfière. Donc, ça, c'est pour... j'ai mis un petit mot, voili-voilou, la petite montgolfière. Là-dedans, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai fait une petite boîte. Ça, c'est un Die Globeland. J'ai fait une petite boîte et qu'est-ce que... Ah oui, j'ai mis plein de fleurs roulées que je lui ai fait. Donc ça, comme ça, elle aura son petit stock qu'elle pourra coller un petit peu partout. Voilà. Et du coup, elle est bien garnie, donc à refermer, c'est un peu galère. Voilà. Petite boîte. Après, je lui ai fait encore un petit système comme le premier que j'avais fait là. Sauf que là, j'ai pas mis de vélum, j'ai rien mis. Et dedans, j'ai mis un sachet. Comment j'ai fait mon compte? Comment je l'ai attaché ça? Je ne sais plus comment je l'ai attaché. Bon, bref. J'ai fait des coupes de petits fanions que j'ai reliés par une ficelle à l'intérieur du sachet. Et voilà, elle pourra les réutiliser aussi. Voilà, après, j'ai refait une petite boîte comme ça, toujours avec un embellissement qui me vient d'Ève. J'ai mis du ruban pompon et puis un petit nœud ici pour cacher le raccord des deux bouts. Et dedans, j'ai fait quoi? Alors, j'ai fait un petit shaker, ça c'est un truc, un rond en bois. J'ai découpé du coup. Tout le tour et j'ai fait un checker à l'intérieur avec du vélum et ça c'est le die fleur de chez Action, j'aime bien. Voilà, j'ai fait ça, j'ai fait un petit embellissement avec du fil à paillettes là marqué love, donc c'est une superposition simple de petits fanions hein. C'était pour utiliser mes chutes de papier. Pareil, là j'ai fait juste un rond festonné avec un petit une petite déco qu'elle pourra utiliser un peu partout. Et ici, un autre petit tag avec un mini polaroid au-dessus. Et j'ai mis quelques... En fait, c'est pas un checker, mais j'ai mis du tulle. Et j'ai mis quelques paillettes pour imiter comme si c'était un checker. Voilà. Et ben finalement, ça en fait. Hein. Ensuite, je lui ai fait ici. Donc, comme j'avais déjà fait la fois dernière. Donc là, j'ai juste plié un morceau de papier que je suis venue décorer avec des petits fanions là comme ça, une petite guirlande. Et j'ai mis les découpes de nœuds qui vont là-dessus. Des petites découpes de nœuds ici. Là encore les grands topper bags. Et puis là, je lui ai mis toutes les chutes qui me restaient. Comme ça, elle pourra les réutiliser pour d'autres projets. Voilà, voilà. Et après, j'ai fait une planche comme ça. De petits polaroid, pas en checker mais juste avec du vélum. Donc je trouvais que c'était plutôt sympa. J'ai fait une découpe de cadre avec ma Big Shot. D'ailleurs, je vais remonter ça. Ça sera plus soigné. Voilà, comme ceci. Et après, donc ici au milieu, j'ai mis. J'ai fait deux pochettes. Donc là, j'ai réutilisé ce qu'elle m'avait envoyé. Les découpes de genre de... Je sais pas comment dire, de négatif photo, on va dire. Et je suis venue le faire en checker. Comme ça, je trouvais que ça rendait bien. Et le mix de ce quin, là, il est vachement coordonné. J'aime bien aussi. Voilà. Comme ça, j'ai réutilisé ce qu'elle m'avait envoyé. Et ensuite, donc ça, c'est ce que Eve m'avait envoyé aussi, mais je m'en servirai pas. Donc comme elle m'a dit
que ça ne la gênait pas, je lui ai mis avec. Et j'ai mis le reste des embellissements qu'elle m'avait fait. Des petites enveloppes. Des petits... donc ça, c'est moi qui l'ai fait. Là aussi, c'est ce qu'elle avait fait dedans. Et les petits embellissements, comme ça. Donc je vais glisser dans les petites pochettes un peu partout. Là aussi, dans la petite pochette ici. Hop. Donc c'est assez grand quand même, hein, quand vous regardez. Ça fait à peu près 18,5-19 par 11 cm. Donc il y a quand même pas mal de... Il y a quand même de quoi mettre des choses à l'intérieur. Voilà, et j'ai fait ça aussi. Un petit... donc toujours le même système, comme ça. Avec... J'ai fait deux petits trous dans le papier à l'intérieur pour mettre mon petit bijou qui tienne avec le fermoir. Voilà, voilà, voilà. Bah écoutez, ça en fait pas mal quand même, je suis contente. J'espère que ça plaira à Stéphanie. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous aimez, si vous voulez des plus de détails, des tutos, enfin ce que vous voulez. Et puis je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye !